elle me fait des yeux. On roule pas, c'est de l'or, on marche des œufs. Moi je suis pas venu pour voir les pères dans ce ventre. Donc laisse-moi vider mes pensées pour penser le mal qu'on pensait. Ils savent tout le mal-être, donc venez pas nous dire qu'on n'est pas net. Qu'on n'a pas le mérite, qu'on n'est pas de ceux qui ne savent que suivre la tendance. Une boîte, tu files. Visage tout ridé, usé par l'eau salée. Le soleil, le vent et les années. Le Cégep de Matane sera lors de la 38e édition de la finale régionale de l'Est du Québec de Cégep en spectacle le 25 mars prochain. Cogeco TV est allé à la rencontre du directeur adjoint des services aux étudiants afin d'en apprendre davantage sur le déroulement de la soirée. On aura une douzaine de prestations. Puis là, ben ces jeunes-là vont s'en venir. On les attend dans soit en fin de journée, le mercredi ou le jeudi. Ça fait que là, ils auront, sur le plan technique, à faire leur test de son. Après ça, bon, là, on va ajuster toute la technique. Puis il y aura une générale le samedi après-midi pour la prestation finale le samedi soir à partir de 19h30. À quoi les gens peuvent s'attendre du spectacle qui va être offert? Bien, évidemment, l'important, c'est la prestation des différents artistes qui vont venir d'un peu partout. Ce qu'on essaie juste, c'est de mettre un enrobage qui va être typiquement Matane, parce que là, on a les ressources puis l'expertise là, pour être capable de développer dans l'animation 3D puis dans l'imagerie numérique. Puis là, bien là, on met en contribution également les ressources artistiques du milieu, parce qu'on se fait donner un coup de main, évidemment, là. Afin de mettre sur pied un événement comme Cégep en spectacle, de nombreuses personnes doivent mettre la main à la pâte. Il y a une équipe technique, une équipe de réalisation du personnage. Après ça, là, il y a une équipe qui supporte au niveau de la captation. Sur le plan artistique, bien évidemment, ça prend quelqu'un là, pour diriger tout ça. Les étudiants sont très engagés. Là, on est mardi, là, le 14, mais là, ils pratiquaient tantôt au Cédrin. Puis là, ça a été une longue répétition de 3 heures parce que là, ajuster un avatar avec des personnages réels, bien, au niveau de la synchronisation, c'est quand même assez demandant, mais c'est intéressant comme produit. C'est à nous-mêmes qu'on se fait violence. Il serait temps qu'on danse ensemble. Au lieu de se foutre le bazar, ça me fout le cafard. Je pense que si le racisme est une personne, il aurait le teint blafard. Un cœur qui sonne pas à l'intérieur, un vide, un habit plus grand à chaque pas. Je suis un homme ordinaire, j'ai pas l'histoire et j'en ai l'air. J'aime pas le monde même pas. Comment j'en suis arrivé là? J'aurais jamais eu le courage de continuer sans m'arrêter à toi. J'aurais jamais pu comprendre que tous les mensonges placés dans ma tête étaient juste là pour te plaire. Et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle m'a fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes.
Il faut venir, faut prendre le temps. En tout cas, il y a des billets qui sont disponibles ici à la coop, c'est-à-dire que là, c'est 15 $ là, pour les adultes, 7 $ pour les étudiants. C'est un rendez-vous, c'est le 25 mars à 19h30. Ça fait qu'arriver un petit peu d'avance parce que le personnage virtuel va faire connaissance peut-être plus intimement avec vous à ce moment-là.